Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Nous continuons avec l'émission que nous avions entamée il y a 3 jours, où nous avions parlé des plans de sortie des crises, des plans que ici à Contact Pro Live, nous pensons que ça peut être un plan salutaire pour le décollage finalement, ou bien le changement que le peuple est en train d'attendre pour voir finalement le pays se remettre sur le rail du développement. Bonjour encore une fois de plus. Nous sommes encore dans le mois de janvier, donc nous souhaitons à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment-ci une bonne année, et puis espérons donc tous nos meilleurs voeux de bonheur à tous ceux qui nous suivent, surtout à nos abonnés. Qui n'ont cessé de nous apporter des soutiens en nous encourageant, en commentant nos émissions, en partageant nos émissions. Nous sommes vraiment très fiers de vous et cela nous donne encore beaucoup de courage pour continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. La réflexion sur la République démocratique, c'est notre apport justement pour la reconstruction de notre pays. Donc, comme je disais, la semaine passée, nous avions commencé, disons, nous sommes sur un sujet qui est notre cheval de bataille ici, la rétrocession du pouvoir à la base. Comment est-ce que nous pouvons arriver à rétrocéder le pouvoir à la base afin que la base puisse s'approprier et qu'il ne puisse plus compter sur des gens qui ne sont pas avec eux. Aujourd'hui, c'est le cas, vous allez voir. Le pays est piloté par les gens qui sont à Kinshasa et la base ne se retrouve pas. Les projets qui sont entamés à la base ne sont pas réalisés. Il y a beaucoup de détournements. Tout ça dans le système dans lequel nous sommes et qui a été implémenté depuis l'indépendance de notre pays. Nous avons besoin d'un autre souffle de vie, de notre souffle, le changement que le peuple est en train d'attendre. C'est cette responsabilisation dans le projet, c'est cette réveil de conscience qu'il n'y a pas un homme, ce n'est pas un homme qui va venir construire tout, qui va tout faire, qui va contrôler tout ça. Et là, vous allez voir que nous sommes attelés à réfléchir sur... ce qui est le texte fondamental qui est notre constitution. Et dans cette émission que nous avions commencé, donc nous nous sommes dit qu'au courant de cette année, notre cheval de bataille, ça sera parler effectivement de comment est-ce que nous pouvons rétrocéder le pouvoir à la base. Quel est le cheminement que nous allons prendre pour que la base finalement s'approprie de tout ce qu'il a. Le pouvoir doit être exercé par la base. La base, ce n'est pas un homme. C'est l'ensemble de tous ces... du peuple qui se regroupe dans des communautés tribales, dans des communautés linguistiques, dans les communautés territoriales, dans les communautés provinciales. Donc, c'est là le réel peuple qui doit diriger ce pays. Et c'est là, nous disons que si le pouvoir n'est pas exercé par ce peuple-là, qui doivent désigner ces représentants au niveau du provincial, au niveau territorial et au niveau même de la République démocratique du Congo, rien ne marchera parce que le système actuel a montré ses limites. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les scandales que nous connaissons aujourd'hui, ce ne sont que les conséquences de ce système qui est en train de nous gérer. Et donc le peuple à la base continue à crier qu'il faut maintenant qu'il y ait un changement. Le changement, ce n'est pas les hommes. Le changement, c'est le système dans lequel il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup... Les projets ne sont pas réalisés, le pays est en train de s'embourber dans des mécanismes, des élections qui n'aboutissent absolument à rien. Et le peuple a besoin, à ce moment-ci, de changer les choses. C'est ça que nous avons fait comme notre cheval de bataille. Donc, si vous nous rejoignez, n'oubliez pas de vous abonner si cela vous plaît et que vous vouliez commencer à contribuer ou à donner aussi vos suggestions, parce que ce que vous dites, c'est ça qui constitue à ce que nous puissions
aiguiller, à suivre quelle est la marche que notre émission devra prendre. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Beni, des morts dans une embuscade attribuée aux ADF, rebelles ADF. Puis RDC, c'est que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde dit aux membres de son cabinet. On va sur actualité.cd. RDC Fizi, une trentaine de policiers évacués de la localité de Milimba après la récente attaque de miliciens qui a fait 3 morts dans leur rang. Et puis RDC Ituri, début de l'année douloureux pour les populations du sud du Rumu, au moins 17 civils tués par les ADF. On va sur Congo profond, Lumumba, les dents de héros national n'arrivent plus à Kinshasa, c'est 8 janvier, nouveau rendez-vous juin 2022. Et puis RDC, les soupçons de détournement autour des jeux de la francophonie font polémique. On va sur 7 sur 7. Ici, nous avons Lumumba Sankuru. Félix Tshisekedi installe les autorités à Lumumbaville ce jeudi. Et puis Sud Kivu, 18 rebelles tués par l'armée à Uvira. On va terminer sur Radio Okapi. Uvira, les épouses de militaires réclament les dépouilles de leur mari tué au front. Et puis les policiers et militaires interpellent Félix Tshisekedi sur leurs conditions de vie. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a trop de cacophonie à Kinshasa. Comme vous aviez suivi, il y a les conseillers à la présidence centrés là-dedans. Il y a Kamere qui est parti en Europe. Il y a vraiment, l'actualité est un peu disparate. Mais l'essentiel, c'est que nous constatons qu'il y a Nous commençons encore l'année dans l'imbroglio total où il y a des scandales. Est-ce qu'il faudrait-il gérer les scandales? Le gouvernement est totalement absent, on accuse. Donc nous sommes en train de nous s'entre-accuser. D'autre part, les gens parlent du premier ministre inexistant qui ne fait absolument rien, tout ça. Essayons un peu de voir les choses avec vraiment du réalisme. Bande kotoza wapi. Comment les lotoriko bandolo bakeno ba warrior bazo salelo komo kote. Comment les lotoriko lobakeno ba collaborateur et président de la République bazo aidé été. Qu'est-ce qui fait à ce que nous posons toutes ces questions là? Souvenez-vous d'une phrase du président Mobutu qui disait: le président fondateur n'est pas un magicien qui va, par une baguette magique, commencer à faire tourner les choses. La même chose aujourd'hui. Fatih ne peut pas tout faire. Fatih ne peut pas être en Ituri, là où on est en train de tuer les gens. Fatih ne peut pas être en Équateur. On parle de ses représentants. On parle de les représentants qui sont éparpillés sur toute l'étendue de la République. Donc, quelqu'un qui est à Kolwezi, Fatih a ses représentants là-bas qui lui donnent le rapport. Bandeko, tozana système nini. Le problème, c'est que ce pays n'appartient pas à un homme. Ce pays n'appartient pas à un groupe de gens. Fatih a koki ye moko kosala makambwana nyoso ye mon côté. Le changement que nous voulons, c'est que tous les Congolais puissent s'impliquer dans le développement. Congolais nyonso au place Azali. Aye bake au-dessus de lui, il n'y a personne. Moussala o azo salande mutweza eza kotindikaya sala moussala. Oyo nyonso akosala, ça sera accordingly tout de moussala o a signé la ki contrat. Sokaza mutu à l'État. Tango a signé contrat akosala moussala. Eza oye komama ina papier. Eza teke par exemple mutuba kangye na balabala. Soda zo sala musala na epo akangye po yo osali mbeba. Eza la lisusu teke no. Soda wana ye mutuwa kukiko jije ote ou bien mutuwa kukiko constate mbeba na ote.
il faut mutu alikolo. Nous avions constaté ça ici na ba réseau oza komona mutu nakati ya nani ya couvre-feu bakangie asalimbeba. Mais il a fallu que no babenga colonel par téléphone. Moi je ne comprends pas finalement mboka oyo eza kosale ezo kende wapi. Il faut mokonzi babengi balobi te mga. On commence à s'expliquer mutwa sali mbeba. Il n'a pas respecté les ordres qui ont été établis. Il commence à s'expliquer avec quelqu'un qui n'est même pas là. Donc directement Moussala oyo ya agent ya de l'ordre wana eza bani eza considéré te. Le pays est dirigé par les forts. Donc sokinga na yebani na mutu boy ngande naza na droit. Regardons ce qui se passe au Katanga bandeko eza mawa batu baza koyana ba mikanda balobi no oh mine oyo oh, tout ça. Il y a trop de désordre, on ne sait pas finalement, le peuple ne se retrouve pas. Même nous les intellectuels on se pose la question tozo kende wapi mboka ngo eza dirigé na nani. Est-ce que wana nyoso tokopesa ngo tozo tia yango biso ba congolais tozo tia yango na mutu ya fachi parce que le président de la République yende mutufwa ya kobongisa kote oyo. On ne peut pas continuer sur ce lancer-là, Bandeko. Tout ce que nous faisons, il faut que le président de la République jette un coup d'œil. Tout ce que nous faisons, tous à la web. Et puis, et loko ezako salema, ezako pe sa passe, c'est que nous ne comprenons pas que ezako mabe. Tozo comprendre te que place wana tozo kende mabe. C'est là le grand problème. Problème est en gros, on a tozo yebate, tozo kende wapi. Mutu moko te akoki kozala mboka o eza ya ye. Vous allez entendre le au Parlement, on dit qu'on est en train d'accompagner le président de la République. Le programme du gouvernement, c'est accompagner le président de la République. Mais si quand on baza ko accompagner le président de la République, pourquoi vous le condamnez encore une fois de plus que baza ko salam susu, bazo salam salate? Il ne faut que faire le travail d'accompagner le président de la République dans sa réalisation. Peuple azaka ko accompagner vision à mokonzi. Il ne peut pas, il ne peut rien faire. On ne peut pas donc, les gens qui sont en train de condamner Sam Alokonde, que non, azo salelo, comme mon côté gouvernement, eza gouvernement, mon côté, il n'y a pas, mais ezo salam salam mon côté. C'est ça, c'est on a des toza koloba. Bango nyo, surtout baza wana, parce que baza ko accompagner vision ya mokonzi. Nous n'avons qu'un seul président de la République. Toza muto yombo keza ya yeza président de la République selon ce que nous vivons aujourd'hui. Donc mutute koki koloba ke no koki koyale lo abanda ko sala programme na ye. Non, le programme que Sam Alokonde est en train d'exécuter, c'est le programme du président de la République. Ba réalisation non surtout o ya ko sala eza ko kende tout na président de la République. Nous faisons qu'accompagner la vision du président de la République. C'est comme si mboka oyo eza mboka ya mutu moko. Et c'est là le bavir que nous sommes en train de commettre, Bandeko. Bavir yango wana, mais si ko yo biso ba congolais, tant que tu comprendre yango te, eza pasi. Eza pasi. Donc, d'autre part, nous les Congolais, nous sommes la cause de notre propre malheur. Et bandi wapi, to bandana nou, na conception kaka ya kibokonzi. Cette conception-là a été faite depuis Mobutu. Tatabo moko, Lingomba moko. C'est pour cela, vous avez vu que même Kabila, le père, quand il est venu, il a cherché à avoir le pouvoir. Kabila, le fils, est venu, il a constitué donc ma classe politique naïe. Tout est fait à la présidence de la République. Changement autozako senga, ezala lisusu nengwanate. Comment y arriver? Otoza koloba awa, toko koma kuna ndenge nini, toko koma na ko retrocede pouvoir na mukongole nyoso. Atato change ba code mini, atato sali nini, mais si nous sommes toujours dans le même système, eloko moko eko sale mate. La présidence de la République, yango nde mutoza ko dirige, disons, les sept institutions là,
qui est confondu par l'homme, le président de la République. Yé Moutouaza responsable à Mboka Nabiso, ce n'est pas le Congolais. Nous avions donné tout à cet homme-là. Yangwa Nabiso a un contact pro live Tolobaka. La constitution doit être modifiée. Mobeko li konzi à Mboka Nabiso, il faut to bande la yango. Likambo ya kolobaka eloko nyoso ba joueur ba beti mabe fachi nzeleza mabe fachi homo konzia ya kotale la biso likambo. Et puis le même président de la République, parce qu'il n'a pas compris le réel problème du pays, il s'est akota ki déjà na jewana akoti na jewana. C'est pour cela que Bogomona akomi na bokonzi ba yebisi ke boende to salaka au lieu de venir avec des nouveaux des idées nouvelles. Non, aye akanisi que non na kati ya système wana akoki ko sale loko mon côté. Le système là engorgé et même ezuyé. Yango wana komi ko vivre pe kaka na ba promesse. Okoyoka na kasa ya lobino barrage wana nga moko na kotale la makambo wana. C'est lui qui va tout faire. Or le système que nous voulons aujourd'hui, c'est que le Congolais puisse être responsable na mboka na ye. Ba gouverneur, bazala ba responsable ya ba province na bango, ba administrateur de territoire, bazala ba responsable, ba outi na ba, bazala contrôlé par le peuple à la base na ba territoire, na ba gouverneur, bazala contrôlé par le territoire. C'est ça le changement que le peuple congolais est en train de chercher. Ce qui li kambozo kende na sud Kivu te, boya ko akize président de la République te. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nzela o poto koma wana eza nzela ya kobongisa mobeko li konzi, c'est-à-dire la constitution. Nous devons absolument commencer à passer à une nouvelle république, ne changement peuple eza kozela. Et puis eloko wana toza kolobango pona nini, parce que nous savons que na modèle o toza nango lelo, un président qui a un plan Potokoma wana, il faut azala déjà na ba plan moko concret. Otokoki kokoma pona kokomisa ke peuple congolais a komi conscient a yebi ke non ngai nazo sala na ofida, ngai nazo sala na douane awa, donc je suis responsable awa. Soki na kangi mutu nazar mutu ya likolo mutu msusu nazo sala selon ndenge mobeko o na ba engagela ki ngai esengi. Soki na moni mutu akatisi ngambo ya mobeko na kangiye. Eza la teli susu teke no, oh, soki bo kangi mutu no, il faut akende na Kinshasa te. Babilo kwa na yangwana tozo luka to change. To change. Toko change ango ndenge nini. C'est ça que nous nous sommes dit. Le président de la République échec na ezo utawapi. C'est parce qu'il n'avait pas le plan pour un changement du pays. Ata lelo o toza koloba. Ba parti politique ebele bazana ba planté. Changement ba yebini ni tep eloko ni nango changement ango bazo luka ko implementer na Congo. Et belé ba parti politique, il ne pense, il ne rêve que bazala ba président na kati ya système oyo. Na système oyo, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire où il y a la magouille financière, il y a batu baza ko mitia ba mbongo na ba poche na bango, batu na batu baza ko kende na ndenge na bango. C'est là le grand problème que nous avons aujourd'hui. Problème na biso yango wana ba parti politique ba biloko nyonso tout, même ceux qui sont en train de crier pour qu'il y ait élection, c'est parce que tango pe bango ba okoma wana ba koloba nini oyo ezali tango na biso pe tolia tango na biso pe, ils ne pensent pas à la perpétuité de notre pays, ils ne pensent pas à ce que pays na biso to réfléchir comment dans 50 ans to okoma wapi. Comment gérer notre ressource minière pendant 50 ans? Bah, réfléchir na ngote. La responsabilité est qu'on a la kaka, ngai naza mokonzi, ngande naza président, ngai nde naza chairman, ngai nde mtu naza manager à malamu, ngande na kosala boy. Mais il ne pense pas au changement profond du système dans lequel nous sommes, qui nous a amené aujourd'hui na kati ya désarroi au toza na kati. Ba parti politique ebele, ba homme politique ebele o baza na Congo, baza ko réfléchir te dans 25 ans comment sera notre pays. Ba réflexion en ezalaka te. Dans les partis politiques, la même chose. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Plan de sortie ezanine, concret, le concret c'est quoi?
Bandeko, vous connaissez cette solution. Et pour ceux qui sont venus pour la première fois, ce que vous avez abonné, abonnez-vous parce que tozo lobela sikoyo le concret. Concret, c'est-à-dire, nini ango tokoki kobanda kosala pour que changement ezala. Changement o tozo crier za eza nini. Réveil à conscience à Congolais à Kolobake. Congolais, nde mutu akobongisaka mboka na ye. Il faut que le pouvoir soit vraiment na maboko ya Congolais. Pouvoir ango tozo loba nini. Bandeko, regardez une fois des choses eloko ezako salema. La présidence de la République a à peu près une affaire à 1000 conseillers. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas avec les provinces ni les territoires. Azana ba conseiller belé, o ba lingi ba sala pona katia ya kwilu. C'est parmi ces conseillers qu'on va donner l'argent. Même, on fait même fi au gouvernement actuel. Et c'est comme ça que le gouvernement ne peut pas travailler aisément. La présidence prend tout. Ndemba magui, ndeboza komona ba conseiller, wana baza ko faire fi na ba ministre. Et on n'a pas un système ya koloba. Tokotia nani na place nini o ayebi musala. Mwaye to yeba ezate parce que le président de la République aza déjà na kati ya système o ya kala ya koloba. Keno, il est tout. Il c'est lui qui contrôle tout. Pouvoir à 2023, pouvoir reconquérir Ango. Il prendra à cause à zo sala tout. Le lot pour que ba réélire à zala sous na moi temps. Ya kokende pendant que tant wana ya ko changer babiloko azana nananité. C'est comme cela qu'ici nous nous sommes dit. Voici comment est-ce que nous pouvons arriver. Ya kokota na République oya sika oyo. Le président de la République n'aura pas assez de pouvoir. Président de la République, Akobanda Ozala, cité Tenaba Makamounio, surtout, oh président de la République, non. La gestion du pays doit être le peuple à la base, Batouna base, Bakoye, Babobi Toponi, président de la République, mais Yemoutou Tokobanda, cité Tesokipo et Boukanye Panabiso. Yemoutou Akozala responsable, Tesoki Totongi Balabala T. Ce n'est pas le problème du président de la République. Il faut l'économie, Ezala déjà gérée à partir. Il y a base na biso. Bolobela kabiso exemple mususu. Bolobela kabiso qui y a des régies financières ou balokota kambongo bazotia mbongo na katia mbongo à l'état. Mais doutez-nous par exemple. Territoire à Bagata et pesaka combien na katia République démocratique du Congo. Na katia assiette fiscale à République démocratique du Congo. Voilà le plan que nous devons changer pour que à la base na territoire toyeba, territoire et pesaka combien. Et que, comment est-ce que nous sommes en train de gérer les entreprises qui sont sur nos territoires? Comment est-ce que nous pouvons faire les contrôles financiers? Comment est-ce que nous pouvons interpeller nos administrateurs de territoire, ceux qui basent ça la malamouté? Nandenge oyo biso batu a territoire to yokanaki ya kolobakeno. Mboka oyo na territoire na biso tozana problème ya balabala, tozana problème ya mai, tozana problème ya bandaku, tozana problème ya kotonga, tozana problème boebobo. Lorsque nous aurons identifié nos problèmes au niveau des territoires, nous aurons aussi identifié ba possibilité économique na biso oyo koki kokotisa la biso mbongo pona ko réaliser ba posa ya territoire ya bato ba vandi na pa na biso. C'est comme ça que nous sommes dit. Dès que nous commencerons à penser à ce que Tozako rétrocéder pouvoir na katia ba territoire, na chaque territoire, bango moko kuna bako sala recensement na bango, bango moko mutu bako sala identification na bango, bango moko mutu bako assurer sécurité à mboka na bango, bango moko mutu bako yeba nani azo sala nini na katia ba territoire na bango, à ce moment-là, nous aurons fait un grand pas. Et ce grand pas pourra peut-être nous assurer que non, pendant 30 ans, pendant 20 ans, batu bakozala kimia parce que toyebani ona baza batu o baza banande bazali bo biso awa na territoire na biso toza autant toza 500 000 personnes na 500 000 personnes awa toza 50 000 commerçants toza na 20 000 batu o basala kamusala. Nous pouvons savoir ba chômage eza wapi ba possibilité na biso toza na or awa toza na ni toza na banque awa eza. Biloko wana nyonso, il faut ezala discuter na kati ya ba état de généraux oyo naza koloba awa. Oyo schéma président de la République il fallait banda okanisa avant aya. C'est ça le concret, c'est le concret. Réalité ezali ke non. Ba base ye ba kanini yango ba sala kate.
vous allez entendre tout simplement Likambo Koloba. Oh non, tu oses la Kinshasa à foutre à bisoter. Mais bino bopé sa canine na République. Bino batu ya bopé sa canine na République. Qu'est-ce que vous donnez à la République pour que vous réclamez salaire na bino? Moussala bosala kate, bandeko. Regardez, na ebite soki batu belé bozana ba réseau, ba militaire ou ba kendaki ko sala. Bazo sala ba reprenant ki ba bazana ba état de siège. Na kati ya ba bureau, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme document administratif? Absolument rien. Absolument et l'autre côté est à table moko boye pour un grand pays comme le Congo. Donc, biloko, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe dans Mboka na biso? Mais ces gens-là, on a pris à peu près 3 mois pour les nommer. Il a fallu qu'un monsieur, président de la République, a nommé administrateur à territoire. Que font les bateaux bazana ba province? C'est ça le système que nous sommes en train de combattre en nous disant il faut changer le système, système yasika, kokota ndenge nini. On va commencer par appeler les états généraux yaba territoire. Ba états généraux ba territoire. Nous devons casser d'abord likambo ya senana, likambo ya nani ya. C'est comme ça que nous disons que si batunyo soana bazongi na ba territoire na bango et que nous puissions convoquer ces états de lieu ya ba territoire batuana musala na bango et kozala kokende ko réorganiser base na bango. C'est-à-dire que c'est de là où nous verrons naissance à nouvelle classe politique pour batuya sika au penza peuple bako vanda bako yeba kotatola les grands problèmes qui se passent dans leur propre territoire. Mais likambo o ya koloba ke non batu moko oyo bazako senga bokonzi sans que ki ait transformation ya système otoza na kati et ko servir biso na eloko mon côté. Donc nous appelons ici à la conscience du président fondateur, du président de la République, de prendre ses responsabilités, que le pays est dans une étape où il faut prendre une décision une fois pour toutes qui arrangera les choses. Et ces choses-là, ce sont les histoires globales, et ça va plan global et à ko relever mboka na biso ko tombola mboka na biso ko longola biso na boumbo tozana kati yango ya lelo. Parce que système otozana ngo atato changer batu ndenge nini atato totie batu msusu ya sikao bauti bazana ba diplôme belé dans le même système ici ça ne marchera pas. Nous allons toujours continuer à tourner en rond. Parce que mbatu na batu tango baza koya ko na kati ya bokonzi bazozo ya bokonzi ezapo na baya ko salela baya ko misalela bango moko ils viennent pour leur poche, pour leur ventre. Alors c'est comme ça que nous nous sommes dit la conscience du président de la République, lui au moins dans cette constitution d'aujourd'hui lui donne tout le pouvoir, qu'il éveille un peu sa conscience en disant que le problème du Congo, ce ne sont pas les hommes, mais ce sont les systèmes dans lesquels on a arraché le pouvoir à la base. Et lui doit en principe se prendre, se décider en disant que nous allons retourner le pouvoir à la base, au peuple congolais, afin qu'il puisse se prendre en charge. Et dire aux Congolais que ce ne sont pas les étrangers qui viendront reconstruire le Congo, mais le Congo sera construit et reconstruit par le peuple congolais, lui-même congolais. Et donc, il ne faut pas espérer à ce que nous disions que non, nous en avons tous les atouts possibles pour que Mboka na biso ekende liboso. Alors, ici, nous demandons à ce que le président de la République, lui qui a le pouvoir en même aujourd'hui de décider sur l'ensemble du pays. Il a le pouvoir et que tout, sur l'ensemble du pays, tout le monde lui reconnaît ce pouvoir-là. De dire à la population qu'il n'est pas magicien pour aller contrôler tous les projets qui se feront dans les territoires ou même dans les provinces. Non. Il faudrait que le peuple congolais puisse se prendre en charge
en étant en même, lui-même l'acteur du développement. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui en disant merci en tout cas pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre et qui sont en train de s'abonner sur notre chaîne. Nous vous remercions, vous ne savez pas comment, quelle est cette joie que vous mettez à nous lorsque nous voyons vous êtes en train de vous abonner ou quand vous partagez nos émissions. Si vous êtes là pour la première fois, ne quittez pas sans laisser un petit commentaire. Nous vous demandons si vous aviez aimé de laisser un petit j'aime. On se retrouve très prochainement, toujours dans le même sujet. Et puis, nous aurons aussi à développer les techniques maintenant pour appliquer le plan d'organisation de ces assises qui sont les états de lieu des provinces et comment on peut le faire et comment on peut convaincre même les autochtones à participer nombreux et même faire le planning pour que ce qui se passe à Kasumbalesa puisse se faire aussi à Aru et dans le bas, dans le Congo central et même dans le Mobimbongo en Équateur. Merci beaucoup, portez-vous bien, à suivre.